Eh bien, salut tout le monde, c'est Kimer9 pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Need for Speed Payback pour la suite de notre Let's Play. Je pense bien que ça va être l'avant-dernière vidéo, à mon avis, de notre Let's Play. Alors là, vous remarquez que je suis au volant du magnifique Acura NSX, hein, qui est tout simplement la voiture abonnée. Alors attends, par contre, toi, il faut que je te défie, parce que voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de pilote nomade. Allez, 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 allez. Voilà, voilà, voilà. Merde, putain, faut tourner, sa mère. Tu seras pas en tête très longtemps. Ouais, enfin, il sera pas en tête très longtemps. Pour le moment, mec, il nous l'a mis. C'est pas trop notre terrain en fait, j'ai envie de te dire. Ok. Hop là. Elle est pour moi. J'y crois pas. Quoi? Ah bah oui, oui, parce que j'avais quand même pas assez de points. Même si je suis arrivé en premier. Bon bah écoute. On va se le refaire. Et après je vous expliquerai un peu mieux qu'est-ce que la voiture abonnée. Déjà ça se voit quand même. Ah, on va se le dire. Un pilote nomade là-bas. Hop. J'ai bien réussi à la voir cette voiture enfin. C'est quand même dommage que les pilotes nomades ne rapportent pas plus. Genre de l'argent, un peu plus, je sais pas, des grosses cargaisons, ce genre de choses. Genre les cargaisons premium, moi je crois que dans Need for Speed j'en ai eu qu'une seule quoi, ou voire deux tu vois. Je sais pas comment tu fais pour avoir des cargaisons premium mais... C'est un mythe. Hop. T'en as de la gueule quand même la NSX. Hein. Oh, elle est vraiment vraiment pas mal. Personne ne bat aujourd'hui. Allez, vas-y. T'as sûr ? Nickel. Bah voilà. Là, on est bien. Ah, mais j'en avais déjà fait un. Ça va pas lui plaire à la petite Peach. Bon, essaie de passer le prochain tour, ok ? Mais en fait, ouais, ouais, ce clan-là, le Hazard Club, il a l'air d'être sympathique, en fait. C'est bizarre. Bon, faut que je sorte d'ici. Faut que je sorte d'ici. C'est où? Je suis piégé. Oh putain. J'ai l'impression bah, de tourner en rond. Là. Ah là, magnifique. J'allais me réparer ma petite voiture parce que bon, c'est pas que voilà, mais bon. Hein? Bon sinon en fait pour vous expliquer en fait ce qu'est la voiture abonnée tout simplement en fait on a acheté en live dernièrement cette voiture, la Acura, qui veut pas se réparer. On a acheté la Acura. Voilà. Et en fait sur le côté tout simplement on a noté les noms des viewers et des abonnés en fait qui commentent sur le let's play et qui sont aussi là présents en live tout simplement. Donc voilà, donc là vous pouvez prendre un screen, hein, peut-être que vous trouverez votre pseudo, peut-être que de toute façon c'est mieux, je ne sais pas. Donc peut-être que vous allez trouver votre pseudo, bien sûr on a bien sûr le magnifique, hein, le Hit Timber qui est là. Bon, ensuite vous allez me dire pourquoi il y a des noms qui sont plus gros que les autres. Bah ils ont fait des dons. Et ouais mais bon écoute c'est comme ça hein. Et donc voilà en fait cette voiture voilà elle va être utilisée en ligne parce que après bien évidemment le let's play de Need for Speed on va partir en ligne. On va partir en ligne, on va faire du classé, on va faire des courses. Ceux qui ont Need for Speed sur PC bien sûr voudront venir me rejoindre. C'est là où le Discord
s'avère être assez utile. Donc ça risque d'être pas mal, on se fera des bonnes sessions en ligne. Puis aussi il y a d'autres voitures qui vont arriver dans Need for Speed. On a la Mazda RX-7 qui arrive. Il y a des joueurs qui sont en des sortes de bêta testeurs qui sont en train de la tester et qui en profitent bien. Par contre, j'ai vu un mode où on pouvait avoir le Mac Attack, le camion dans Need for Speed. Je me dis comment c'est possible. Mais bon, autant vous dire que Need for Speed en fait est loin d'être mort. Surtout qu'ils vont nous faire des patchs à tous les coups, ça va être pas mal. Et puis moi, j'ai toujours pour objectif de finir le jeu à 100%, de faire tous mes défis, d'acheter toutes les voitures, de les mettre au max. Enfin, j'ai toujours mon truc à faire, mais ça sera pas dans le Let's Play, ça. Ça, par contre, on va faire une autre playlist, je sais pas comment je vais faire. Mais il faut aussi que je trouve un nom. Il faut que je trouve un nom pour tout ça. Un nom pour mes lives de Need for Speed et un nom pour les épisodes que je vais faire où je vais... Où je vais aussi faire du classé. Je sais pas encore comment je vais séparer tout ça. Mais voilà. Donc là, on va se faire la route. En fait, j'ai coupé en plein milieu, hein, quand même. Hein. Faut pas rêver non plus. Mais bon, voilà. On va essayer quand même de garder un petit peu Need for Speed sur la chaîne. Parce que ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on a pas eu de Need for Speed, mine de rien. Ça fait vraiment longtemps. Et moi, ça me fait super plaisir de rejouer un Need for Speed. Donc, de base, je me trouve bien. Hop. Ouh, le vol plané. Tu l'as senti passer. Ah oui, par contre, aussi... en live, on a modifié la NSX. C'était plutôt pas mal. Enfin, jusqu'à un certain point. Parce qu'en lui mettant, par exemple, un nouveau pare-choc, ce genre de choses, eh ben on a vu que c'était moche. On a vu que c'était moche. Donc c'est pour ça qu'en fait, elle ne change pas beaucoup en fait de l'original, de la version stock vanilla, j'ai envie de vous dire. Sauf l'arrière qui maintenant, on peut se dire, on dirait qu'elle a une moustache et avec son feu, enfin ses feux arrière. Avec un mono sourcil. Mais ça a de la gueule quand même. Mais bon, en fait, on était assez déçus en fait de la personnalisation de la NSX. C'est vraiment dommage. Parce que honnêtement, mais je sais pas si pour ceux qui ont Need for Speed Payback et qui ont donc acheté la NSX, bah donnez-moi votre avis. Hein. Est-ce que par hasard, votre NSX ressemble étrangement à la mienne? Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut la faire ressembler à quelque chose. Voilà, voilà. Mais enfin. C'est la vie, c'est la vie. Bon, allez, on va faire une petite coupure. On va aller se faire un petit peu de tout terrain avec Mac. La Porsche a été améliorée. J'espère que ça suffira. Je crois qu'elle est en 340 maintenant. Un truc comme ça, ça devrait le faire. Allez, on se retrouve là-bas, tout le monde. Voilà, voilà. Alors. Est-ce qu'ils nous vont faire une petite discussion? Avant, dans Need for Speed, au début du jeu, quand on arrivait au niveau de la mission, on avait une petite discussion. Oh, putain, il n'y a même pas. Même pas. En fait, Need for Speed Payback, il est plaisant au début. Alors, atteignez 200 km/h et gagnez la course. Très bien. On a dit à la ville de laisser des déchets sur le parcours, pour le fun. Essaie de t'en sortir. Ok. En gros, quand tu demandes un truc à la ville, elle le fait. Mais avec nous, l'avantage... C'est que tu peux demander à qui tu veux de faire tout ce que tu veux. C'est pas le rêve, ça. T'essaierais pas de reprendre Mac avec toi? Ah oui, il y a des déchets. Ouais, enfin, les déchets, c'est bizarre. Hein. Moi, je laisserais pas des déchets comme ça en plein milieu. C'est bizarre. Oups. Bien le bonjour. C'est bien, la voiture de Mac est pas non plus trop améliorée. C'est pas non plus un foudre de guerre. Ce qui fait qu'on a quand même les concurrents juste à côté. C'est plutôt pas mal. Ça rajoute un peu plus de suspense, quoi. Parce que bon, sinon c'est pas drôle. Hop. Ça glisse, ça ligne. Hop. Je connais pas la suite. Personne me double, okay. What the fuck? Eh ben alors, on est mauvais? Ouais, je vole! Oh, le raccourci que je viens de leur mettre. Ah, trop bien! Oh! Et voilà. C'était la fin.
Ah mais c'est en sens inverse. Ok. Hop, hop, hop. Oh, il y a un jeton là planqué. Normal, je vais toujours ici en ligne. Non, je pouvais pas savoir que... On est d'accord. Hop. Attention. Cet arbre. Ouh, ça passe. Nickel. On apprécie, on apprécie. La Porsche en fait se démène bien. Franchement, elle se démène très bien. Mais, pour jouer en ligne, disons que je vais la remplacer. Par là, j'ai pris la Bel Air tout terrain. Je pense qu'elle pourrait, qu'elle va donner. Hop. Ok. Oh bah ça va, en final la course est plutôt sympathique. Hop. Ah j'aime bien. Le paysage est plutôt pas mal. Attends, ça fait surtout penser à The Crew. Oh j'ai chopé le jeton. Ah pas grave, j'ai le jeton, je m'en fous. Pas de soucis. Ok. Et hop là. Quel rage. T'as vu ça un peu? Allons voir, c'est plutôt de la merde. Hop. Mission réussie. Putain, ça fait bizarre de se dire que c'est... Après, c'est... Voilà, c'est la fin de Need for Speed, quoi. Oh là 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 là. Ils sont pas assez longs, vos jeux. Ton crew, c'était du très très haut niveau. Eh ouais. Pourtant, il y avait pas pire pilote qu'eux avant. Hein? Et qu'est-ce que tu veux dire? C'est grâce au clan. Il nous a donné un bon coup de pouce, si tu vois ce que je veux dire. Non? Comment ça? T'en fais pas, tu verras. T'as toujours envie de piloter, pas vrai? Bien sûr. Bien. Ah, y a du chidori. Il se passe un truc avec le bouseux. T'as des infos? Pas encore. Mais ces bagnoles sentent l'embrouille. Je fais le max, mais pourtant, y a pas moyen de les suivre. Ok, mène ton enquête. Mais hein? Mac, prudence. Comme toujours. Ne même pas relever, tiens. Ah ouais, y'a du chidori dans le tas, moi je vous le dis. Par contre, je n'aime pas trop en fait là leur... je trouve ça limite un petit peu insultant, parce qu'en fait ça voudrait dire que le gars en fait, du moment, même si c'est pas une... Même si c'est une merde en pilotage, ça veut dire qu'il a une bonne voiture et il peut tout faire. Et j'aime pas trop en fait cet état d'esprit. Là, Ghost Game, là vous êtes en train de cracher sur la communauté Racing et je n'aime pas trop ça, ok? La voiture ne fait pas tout. Donc... Ouh, j'ai pas beaucoup de points là. On va quand même essayer, mais j'ai pas beaucoup de points. Ma voiture est 342, je crois. 340, 342. Et là, on est sur du 300, 350. Bon, la dernière fois, c'était passé. Hein, on avait 20 points d'écart. Donc bon. Ouh, c'était pas mal ça. Ça, c'était beau ça. Attention. Tout. T'es dans la trajectoire, sa mère. C'est vraiment plaisant, ça. C'est vraiment plaisant. Alors, occuper la dernière place pendant au moins 80 secondes et gagner la course. Est-ce qu'on essaie? Juste une course autour du lac? Ton crew s'appelle bien Hazard Company? On cherchait un bel endroit isolé pour mener quelques tests. Tu verras. Allez, en avant! Allez, tu sais quoi, on essaie, mais bon. Ah, mais je peux pas si les mecs ils terminent près de mes accidents! Bon, c'est pas grave, j'ai pas non plus envie de perdre, je comprends. Hein. Hop. Ouais, par contre, c'est beaucoup plus palpitant quand on les laisse. Oups, pardon. Pourquoi ils sont nuls comme ça? Pourquoi vous êtes nuls comme ça? En
encore un de moins. Putain, quand je te dis que ça glisse trop. Il est... Le off-road dans les fesses, il a à revoir, merde. Aïe. Hop, 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 hop. Putain, par contre, le mec qui est premier, il est premier, quoi. Après tout, c'est le jeu, non ? Samine. Aïe ! Non, non ! Putain. Oh, je le sens pas. Même le bot il a du mal. Non mais franchement, quand je vous dis qu'il faut revoir le off-road. Putain, ça tourne pas. Ça tourne pas, ça rien. Le mec, bon, contre le premier a beaucoup trop d'avance. Attends, c'est Peach qui est premier. Je voyais une autre voiture en face. Bon. Allez, allez, allez. Bam, le petit coup de cul, le frein à main pour se sauver. Ah, en fait, faut les laisser partir en avance si tu veux pouvoir t'amuser un peu. Enfin, avoir un vrai challenge en fait en épreuve. Surtout bien soigner les choses. Je retiens. Ouais, c'est surtout qu'au fait le terrain aussi est pas facile du tout. Et que le off-road est à revoir. Hop. Attention. Super Mac attaque. Oh la concentration, concentration monsieur. On passe entre les arbres. Oui. Un finish en force. Attention, attention, hein, attention. Ah mais ils me suivent. Mais c'est bien, c'est bien. C'est un peu plus pimenté que les autres courses, franchement. Ouh. Ok. Hâte sur les yeux. Voilà, voilà, voilà. Ça se passe bien. Ça se passe mal. Bah oui, mais ma voiture, elle fait des sauts de cabri. Je peux pas... Je vais tourner en l'air, je n'ai pas de contrôle. Voilà. Prends ça. Vous avez réussi, bien évidemment. Oui, bah, j'ai pas fait ton défi. Là, franchement, c'était chaud. Là, c'était la merde. Alors. Tic-tac-tac-tac, c'est nul. Non. Il n'y a même pas d'effet, c'est nul. Nouvelle mission débloquée. Parlons peu, mais parlons bien. En gros, tu m'expliques que le clan prépare tes voitures ? Mais enfin, tu penses que ces rednecks sont vraiment d'aussi bons pilotes ? C'est vraiment tortue, cette histoire. Il faut faire ce qu'il faut pour pouvoir vivre son rêve à fond. Tu vois de quoi je parle, hein ? Hein ? Ouais. Le rêve à fond, c'est ça ? T'as pigé. Tiens, j'ai une idée. La prochaine course aura lieu à l'un de mes chantiers. T'es de la partie ? Bien sûr. J'aime pas trop votre philosophie. Okay, autant le dire tout de suite. Je fais le verre un piège. Et tu vas quand même. C'est ça. Bah, faut ce qu'il faut. Et puis, je dois bien avouer que c'est très excitant.
C'est bien la pire raison possible pour rouler droit vers un piège. J'aime surprendre. On se retrouve de l'autre côté. Non mais on va se mettre d'accord tout de suite. En imaginant qu'une personne est une... vraiment une voiture, il faut vraiment le vouloir pour faire le con. Une Nissan GT-R, voilà. Imaginons que le mec ait une Nissan GT-R. Et même, imaginons qu'elle soit préparée de fou, tu vois, genre pneus semi-slick, barre de renforcement, enfin tout. Si le mec, c'est une merde en voiture, en pilotage ou tout, n'importe quoi, c'est une merde. La voiture va pas le sauver. Au bout d'un moment, les gens, c'est non, hein. T'investis dans ta voiture, mais si t'es un pilote de merde, t'es un pilote de merde. La voiture va pas changer ça. Donc, je comprends pas là, le principe, là. Ça, c'est de la merde. Là, Ghost Game, je vous emmerde. Cordialement. C'est pas possible. À moins que tes voitures soient autonomes, et dans ce cas, elles gèrent, hein. Mais alors là... Oh là 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 là. Ouh, le flash lumineux. Oh, faut arrêter les effets comme ça, hein. EA, faut arrêter, hein. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Hop. T'as vu comment j'arrive à faire à prolonger l'épisode juste en faisant un petit bout de route comme ça? C'est beau, non? Hop, ça tourne, ça rien. Ah, elle se démerde bien là, la Porsche, elle se démerde bien. Ouais, par contre l'avant, en fait, je trouve trop que je change ça. Enfin, je sais pas, l'avant me sort par les yeux maintenant. Autant au début je trouvais ça classe, mais maintenant... Maintenant je ne sais pas quoi en penser. Toi, ah, je suis désolé, j'ai tourné avec toi en mode joueur Forza. Bonjour, excusez-moi, voilà. Alors, c'est ici. Voilà. Pardon, excusez-moi. Pardon, poussez-moi, excusez-vous. Hop, voilà. Pardon. Voilà. Ça, je crois que c'est connu, ça. C'est vraiment connu. Alors voyons voir. Ah oui, 365 maintenant. On joue avec le feu. Kimi, tu commences à jouer avec le feu. Hein? Au bout d'un moment, on va peut-être falloir améliorer ta voiture. C'est la dernière course. Dans 2 ans, le clan pourra dire qu'il possède la plus haute tour de tout l'ouest des États-Unis. Mais pour le moment, profite bien de la course. Ah, c'est le clan qui construit ça. Je pensais pas que c'était déjà la fin. Ah, d'accord. Décollage. Tout est dans la trajectoire, Sarine. Par contre, le gars il passait par le raccourci. Ah, pourquoi tu tournes pas? Fonce, tape à la mera. On est en train de lutter contre des chilous. J'arrive plus. Je peux pas le Ballora attraper, en fait. C'est mort. Oh putain, fais chier. Il est pas fou, quoi. Oh. Est-ce que moi aussi je pourrais avoir un nitro scénaristique? Non, parce que voilà les flics qu'ils en ont un, moi j'aimerais bien. Voilà quoi.
Allez, 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 allez. Pardon, je fais te passer. Faut que moi aussi je passe par les raccourcis. Sinon je suis dans la merde. Hop là. Alors, je commande pas trop là, je suis genre tellement concentré mon gars. Hop. Prendre de beaux virages monsieur. J'ai pas trop de niveau. C'est le dernier tour, on est d'accord. Hein. Parce que là, je commence un petit peu à avoir la pression. Aïe, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. Attention. C'était beau. Putain, je vais finir en boss et j'ai pas le niveau. Trop bien. Et en plus j'ai fait mon... Oh les gars. Quel idiot. J'aurais dû faire plus attention. Méga crétin à deux balles. J'ai voulu être sympa avec toi. T'intégrer à la famille et tout. Et voilà le remerciement. Le clan mérite pas un pire comme toi. Tant mieux. J'aurais jamais couru pour ces connards corrompus. Ouais ben voilà. Oh par contre ouais le. Ouh. Aïe. Mais à quoi tu joues là? Mais oui, à quoi tu joues? Oh là là. Laisse-moi jouer. Ouais. Faut que t'arrêtes de patiner la Porsche. C'est chou. C'est sous l'ombre. C'est plus drôle. Alors. Oh merde, il y a un EMP machin. Tiens, EMP moi ça. Oh merde. Pas un bon gars mon gars. Ah eh mais j'arrive pas avec cette voiture. J'arrive pas. Hop, on passe par là. Non, non, non. Même pas que tu me touches mon gars. Même pas que tu me touches. Hop. Non. 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 Mais non. Démarre, 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 démarre. Deutsche Qualität, baga. Hop. Accélère, accélère, accélère. Saleté de micro scénaristique. Pourquoi tu tournes pas? Pourquoi tu ne veux pas tourner la Porsche? Pourquoi? Mais laisse-moi tourner. Mais laisse-moi. Mais les gars. Ah mais vous êtes affreux. Sa mère, vous êtes chiant. Oh, mais vous êtes chiant. Ah oh, ben je les sème. Non mais c'est la fin de la mission, donc ça veut dire que automatiquement ben vous avez des deux chevaux. Voilà. C'est comme ça. Et hop là. Ivory. Oh, pas mal. Les mages en l'air et tout. J'apprécie. Hop. Non. Hein, il en reste une. Mais... Nani. Quoi? Hey. Minute.
parle, Smack. T'es qui? Un membre du crew. Écoute, on n'est pas tes plus grands fans, mais ce que trame Holtzman avec le clan, c'est pas bien clair. Explique! J'ai des infos pour toi en gage de bonne volonté. Holtzman traîne près des collecteurs d'eau. Il bosse sur un nouveau parcours. Tu veux le défier? Va voir là-bas. Merci bien. T'étais pas obligé. Ah, c'est rien. Sérieux, c'est vraiment pas la peine de s'en vanter. Attends, je pensais pas. Je me disais aussi, tiens, c'est bizarre, c'est déjà le combat de boss, tu vois. Ok. Bah écoute, on va le défoncer. Ça va être bien. Allez, bye tout le monde pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Partagez, likez, commentez surtout. Même si vous avez pas grand chose à dire en commentant, je sais pas. Vous trouverez bien. Voilà, allez, bye tout le monde. C'était Kevin.